N'avez-vous pas envie de faire la leçon aux autres? Vous n'avez pas envie de tuer les autres, là, les mangeurs de viande, parfois? Enfin bref, voilà, on me demande aussi souvent comment je me sens vis-à-vis des autres et si je me sens dans une attitude ou une posture d'évangélisation, de vouloir les convaincre. Alors, je l'avais déjà dit dans la toute première vidéo que j'ai faite sur le sujet, non, je n'ai pas envie de convaincre les autres, tout simplement déjà parce que ça ne marche pas, l'argumentaire ne marche pas. Quand on se sent poussé, quand on sent quelqu'un qui a une intention personnelle pour nous-mêmes, eh ben on ferme les clapets, normal, évidemment, on veut garder sa liberté intérieure. Donc je n'essaie pas de convaincre, par contre je mets à disposition mon expérience, comme je le fais maintenant. Donc au cours de repas, de déjeuner, de conversations avec des gens que je rencontre, je peux partager cette expérience, je peux apporter aussi des éléments scientifiques ou des éléments factuels lorsqu'on peut en avoir, je pense en particulier au climat, à la santé, mais essentiellement partager une expérience personnelle. Et surtout, ce que je répète, vous n'avez absolument pas besoin de moi ou de quiconque pour vous convaincre de devenir vegan. Il suffit tout simplement, je le répète, que vous fassiez une démarche personnelle. Ça veut dire analyser en profondeur les données sur la santé, analyser en profondeur les données sur l'environnement. Donc là, je veux dire, pour la partie mentale et intellectuelle, vous allez avoir des chiffres implacables que vous ne pourrez pas contester sauf à y mettre de la mauvaise foi. Et puis surtout, analyser votre conscience. Ça veut dire, questionnez-vous. Avez-vous, lorsque vous voyez, vous sentez proche d'un animal, j'entends pas d'un animal qui vous attaque, pas un moustique ou un chien méchant ou enragé, mais j'entends un animal, un oiseau, une poule, une vache, un ours, un éléphant, peu importe. Avez-vous envie de leur faire du mal? Si une chèvre entrait dans la pièce ou dans votre jardin, avez-vous envie d'aller planter vos dents dedans? Avez-vous envie de lui donner des coups de pied? Avez-vous envie de torturer cet animal? Avez-vous envie d'enfermer cet animal? En fait, on le voit, et on le voit aussi chez les tout jeunes enfants, nous avons naturellement un élan d'aller vers cet autre être et de commencer à communiquer avec lui dans un langage universel, de donner quelque chose, d'échanger quelque chose, de se renifler, de s'approcher, de se regarder. Bref, il y a une envie naturelle de communication et de compassion chez nous, qui fait qu'on n'a pas du tout envie d'aller les tuer. Et ça touche justement à la question de la conscience, et de savoir si cette conscience, on n'a pas envie de l'incarner totalement. Ça veut dire, plutôt que de se cacher les yeux et de donner le couteau qui va trancher la gorge à un autre, qui va faire le sale boulot, explorer cette conscience qui dit, tiens, peut-être on peut arrêter de soutenir cette tuerie de masse, cette souffrance de masse que l'on inflige à d'autres êtres sentients. Voilà, donc vous voyez, tout ça relève d'un examen personnel. Là, je vous donne des exemples de choses que vous allez pouvoir examiner en vous à travers des questions très directes. Par exemple, pensez-vous que nous ayons besoin de viande pour vivre ou de produits animaux pour vivre? Pouvons-nous vivre sans? Pouvons-nous même nous bien vivre sans? Pouvons-nous mieux vivre sans? Pensez-vous ou jugez-vous moral de tuer un animal pour votre plaisir gustatif? Je ne parle pas de la survie, il y a toujours l'exemple de l'île déserte. Mon Dieu, si vous trouviez dans une île déserte, si vous deviez survivre, que feriez-vous? Ça n'a rien à voir. Les questions de survie, de défendre sa peau, relèvent d'un tout autre domaine. Je parle d'une vie normale. Avez-vous ou jugez-vous moral, utile, de tuer un animal pour votre propre plaisir? J'entends votre plaisir gustatif, pour votre plaisir vestimentaire, pour ce petit bouton en corne qu'il vous faut sur votre pantalon ou sur votre chemise, pour ces chaussures reluisantes en cuir. Cela vaut-il la peine de tuer un animal pour ça? Donc voyez, si vous abordez l'ensemble de ces questions, vous arriverez à vos propres réponses. Je ne sais pas encore lesquelles, mais j'ai quand même quelques idées là-dessus.